Bonjour, on est bien nombreux, on va... si vous vous posez des questions, je pourrais répondre à d'autres choses qui ne sont pas forcément, dont je parle pas forcément dans la presse. Donc, je me présente, je m'appelle Fabien Dibault, je suis architecte système chez S2I, dans la même boîte que lui là-bas. Je m'occupe principalement des architectures comme Microsoft, hein. On va parler uniquement de Windows et un petit peu de Linux dans cette présentation. Et je suis MVP PowerShell, voilà, ce qui me permet d'avoir une interaction avec les équipes produits, leur remonter les choses que nous on veut et ce qu'eux ils veulent qu'on teste avant de les passer dans les productions. Alors aujourd'hui on va parler de Desired State Configuration. Qu'est-ce que c'est? Voilà, un petit tour d'horizon des possibilités, de comment ça marche et de ce que dans le futur on pourra faire avec. Je vous parlerai rapidement d'Azure. Hein, au niveau de l'offre IaaS, qu'est-ce qu'on peut faire dessus, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce que je vais vous montrer dans les démos, et puis après des démos. Quoi. Voilà. On va pas parler trop longtemps. Donc DSC, qu'est-ce que c'est? C'est du CM, configuration management. Il y a deux modes, il y a un mode push sur lequel vous créez votre script, vous l'appliquez de manière simple. Et il y a un mode pull qui va permettre d'avoir des configurations qui vont déployer automatiquement et qui vont vous apporter la correction automatique ou des choses comme ça. Ça fonctionne avec un agent qui est sur un serveur, qui est installé avec la version 5 et la version 4 de PowerShell et qui va pouler en fait les requêtes par un agent, enfin, sur du REST ou sur un partage SMB. Ça marche plus. C'est multiplateforme, c'est-à-dire qu'à partir de Windows, vous allez pouvoir configurer du Linux. Voilà, personne ne voulait le faire, c'était pas nécessaire, il y a déjà un outil pour ça, mais DSC le fait. Évidemment, on peut configurer du Windows, mais aussi les équipements réseau chez Cisco, les derniers sites Cisco peuvent être configurés par DSC. Et des clouds publics type Azure principalement, mais il y a des modules qui existent pour AWS par exemple. Il y a pas mal d'interactions possibles, c'est-à-dire que les API sont publiques, typiquement sur du chef, vous allez pouvoir appeler les API DSC directement pour pouvoir configurer vos nœuds. Pour une fois, Microsoft respecte les standards, c'est pas mal, c'est bon à noter. Ceux qui ont fait du dev ou sur du dev web par exemple avec Internet Explorer, ça de quoi je parle. Et il y a trois modes disponibles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire de l'applicatif, juste à pousser une configuration, vous allez pouvoir faire de la correction automatique, mais aussi du monitoring en fait. Avec un pool serveur, DSC va aller, le LCM, l'agent sur le serveur va aller pouvoir regarder la configuration. Si c'est pas bon, vous remontez des alertes dans votre monitoring. C'est assez pratique pour maintenir cette plateforme. Et c'est extensible, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez créer autant de ressources que vous voulez derrière, c'est du PowerShell. Donc chaque application, chaque service qui a un module PowerShell, vous allez très bien pouvoir créer vos propres ressources et les utiliser dans DSC. Voilà, un petit tour sur Azure, IaaS. Vous avez DSDK, donc un PowerShell, mais vous avez aussi des clients qui tournent sur Linux ou sur Mac, qui font exactement les mêmes choses. Vous avez un orchestrateur, par exemple, disponible dans la plateforme, mais aussi sur un System Center, ça fonctionne aussi. Et vous avez vous pouvez créer des jobs et des workflows à l'intérieur pour aller gérer votre orchestration. Au niveau de la couche réseau, vous pouvez créer votre propre réseau, vos VLAN, vos VNet. Vous avez un load balancer, vous pouvez configurer un WAN pour vous y connecter, un VPN site-to-site. Vous avez des backups, vous avez des gestions d'accès, alors soit par authentification AD, soit par du multifacteur. Et vous aussi, vous avez de la géo-réplication sur toutes vos VM. En termes de services de compute, vous pouvez faire de la VM, de la Hadoop, du machine learning, du SQL, des sites web, du Visual Studio. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Vous pouvez faire du remote app et vous pouvez aussi faire du remote, je ne sais plus ce que c'est. Et enfin, vous avez du monitoring, soit intégré dans vos applications, soit intégré dans vos VM qui peuvent vous remonter les choses dans SCOM ou dans Agios ou autre. C'est quand même vachement Microsoft, bien sûr, Microsoft. Au niveau des VM, vous pouvez déployer bien sûr du Windows, mais aussi vous avez du Linux, de l'Ubuntu, vous avez du CoreOS, vous pouvez mettre vos containers facilement sur des VM Azure. En démo, on va voir quoi? On va voir la création d'une VM, une configuration Windows DSC, une configuration Linux, et je vous montrerai un peu comment PowerShell permet par un framework tester de faire du test unitaire directement dans PowerShell sur la machine Windows.
Ça va, tout le monde voit, même fou. Ok, super. Alors ça, c'est l'exemple type d'une configuration DSC. Ça se compose, ça commence par un objet de configuration auquel on va donner un nom. C'est comme une fonction PowerShell, s'il y en a qui ont déjà fait ici. Ensuite, vous passez un paramètre. Vous mettez autant de paramètres que vous voulez, après vous allez pouvoir les utiliser dans votre configuration. Ici, on a la ligne import DSC ressources. Donc c'est ce qui va vous permettre d'aller charger des modules extérieurs. Alors, ces modules extérieurs, ouais, je vous disais, ces ressources, en fait, vous allez pouvoir les télécharger pour augmenter la possibilité de vos configurations. C'est-à-dire que Microsoft met maintenant à disposition sur GitHub ces ressources, elles sont open source. Si vous en avez besoin, si vous voulez les améliorer, vous avez le choix d'aller les chercher et vous les retrouvez dans votre console PowerShell. Vous faites, pour voir les ressources dont vous disposez sur votre poste, vous faites un get DSC, pas configuration, ressources. Vous allez avoir un petit moment, c'est du WBI, donc ça rame un peu des fois, mais voilà, vous avez toutes les ressources disponibles sur votre système à un instant T. Voilà, on voit que je peux installer un package, créer des clés de registre, lancer des scripts, démarrer, arrêter les services, gérer des utilisateurs, gérer les services sur Azure, et par exemple, en haut, on retrouve en haut, créer un utilisateur Unix. Voilà, c'est ce qui est installé par défaut sur votre système, mais par exemple, moi, dans ma configuration, je veux installer deux IS, donc il va me falloir le module d'administration web. Alors pourquoi il porte un X devant, c'est juste parce qu'il est expérimental, hein. Sinon ils sont nommés C pour Community, et ceux de Microsoft en fait n'ont pas de préfixe. Donc admettons que je veuille un module, donc je fais un find module, je vais dire tu ne prends que les modules qui sont des modules DSC. Parce que je peux très bien aller chercher des modules autres que DSC, des modules pour PowerShell ou des choses comme ça. Et ici, je vais trouver la liste en fait de tout ce qui, de tout ce qui est disponible sur la galerie des modules, la PS Galerie, ils appellent ça dans PowerShell, donc qui est ni plus ni moins qu'une reproduction du GitHub de PowerShell. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est XCOP Administration. Donc j'ai pas mal de barres sur les côtés. Pour l'installer, je fais install module xweb administration. Je précise force en fait tout simplement pour qu'il ne pose pas la question êtes-vous sûr de vouloir l'installer. Oui, j'en suis sûr. Donc voilà, il est installé. Donc ça me crée en fait un petit dossier dans Program File, Windows PowerShell module. Où je retrouve en fait la liste des modules que j'ai téléchargés pour DSC en fait. Donc là on voit que j'ai installé Azure, j'ai installé Web Administration et Linux qui comporte toutes les ressources pour Linux. Maintenant normalement, donc là j'avais une belle ligne rouge qui surlignait la ressource qui n'était pas disponible, donc si je fais ça normalement, la ligne rouge disparaît, donc ma configuration est égale. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ici on va définir la configuration pour un nœud, donc, qu'on appelle nodename, et ici j'ai appelé localhost parce que je vais l'installer en local, mais j'aurais pu mettre une adresse IP, un DNS, et faire une configuration à distance. Ensuite, on voit que j'installe une structure de IS. Pour m'assurer qu'elle soit présente, eh bien, je définis une paramètre en dessous à présente, et je nomme le nom de ma feature, c'est le nom des features Windows que vous allez retrouver sur tous les serveurs. Pareil pour SPNet 4.5. Si j'avais voulu, j'aurais pu créer des dépendances entre les différentes features que les différents rôles que j'installe. Là, je n'ai pas besoin. Forcément, si lui est installé avant ou lui avant, au niveau de l'orchestration, je n'ai pas de besoin nécessaire là-dessus. Quoi. Donc celle-ci, je ne vais pas l'exécuter pour l'instant, je vous la présente juste, on l'exécutera après à distance sur une VM Azure. Et pour l'exécuter sur une VM Azure, il faut créer une configuration pour Azure. Donc là, c'est une configuration un petit peu plus complexe, mais on part toujours sur le même principe, c'est-à-dire qu'on a notre configuration, on dispose de nos paramètres. Juste ici, remarquez que je peux lui passer des fonctions en paramètres pour récupérer les arguments, des résultats, donc là, des crédentials qui seront cryptés.
Donc là, j'importe toujours ma ressource Azure. Toujours pour mon nœud, hein, on définit toujours un nœud. Et donc voilà, donc pour se connecter à Azure, il faut déjà créer, enregistrer l'abonnement Azure, la subscription. Donc, soit on fait de manière interactive avec un prompt, etc. Mais là, vu qu'on veut faire l'automatisation, on n'a pas besoin. Donc, avant la session, j'ai été téléchargé un fichier public chez Teams. C'est juste une clé de certificat qui va aller s'installer et qui va permettre de faire la liaison avec notre compte. On donne le nom de sa subscription et on s'assure qu'elle soit présente, puisque là, on est bien violent. Ensuite, on va aller définir un Affinity Group. Qu'est-ce que c'est un Affinity Group? C'est juste un réseau, en fait, au sein duquel je vais mettre toutes mes VM pour qu'elles puissent communiquer ensemble. C'est un V-Network, en fait, si vous voulez. On va lui donner un nom, on va lui dire, bah, tu mets ça dans les paramètres, je crois que j'ai mis Europe de l'Ouest, un label, une description pour s'en servir. Et vous voyez qu'ici, je commence à mettre des depends on, c'est-à-dire que je veux que ça soit exécuté, une fois que ça sera fini. Voilà. Donc ensuite, pour ma VM, je vais avoir besoin d'un stockage. Alors, je vais lui définir un stockage, je vais m'assurer qu'il soit présent, un nom, lui dire ce stockage-là, il est disponible que pour ce réseau-là. Et je vais créer deux, trois petites choses sympas, un container, alors c'est pas un Docker, hein, on s'excite pas, c'est juste comme ça qu'ils ont appelé en fait les répertoires où on va stocker des fichiers. Voilà, je vais tout faire bien du premier coup, mais en gros ce qu'il faut comprendre, c'est que le contenu de ce folder-là va être uploadé en fait dans ce container-là. On va lui donner un nom à ce stockage et on va lui dire voilà, avant de faire ça, assure-toi que ça, ce bloc-là soit bien exécuté. Ensuite, on va créer un service. Alors un service, c'est comme un ressource group en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est là-dedans qu'on va mettre toutes nos VM pour qu'on puisse les scaler, etc., augmenter la volumétrie, descendre, etc., pour que ça soit scalable. Donc voilà, on lui donne un nom, c'est sûr qu'il soit présent, un label, une description. C'est pas indispensable une description, mais on le met. Et des zones toujours, pour s'assurer que l'orchestration se passe bien. Et ensuite, je vais lui proposer de créer ma VM. Donc, je lui donne un nom, une image. L'image, c'est un peu un nom à la con. Il faut s'assurer avant que l'image soit toujours disponible, parce que Microsoft, tous les mois, vire les images pour plus de 3 mois. C'est-à-dire qu'il vous assure d'avoir une image qui a toutes les mises à jour, les dernières mises à jour de sécurité qui sont passées. Ça lui évite de déployer des trucs avec des failles béantes pour votre prod. On lui donne son service dans lequel il est déployé, son stockage, on lui dit que c'est un Windows. On lui passe les credentials que j'aurais passé en paramètre tout à l'heure, on lui définit une taille d'instance, et on s'assure que le service dans lequel il va être déployé sera toujours disponible. Là où ça devient intéressant, c'est qu'à la suite de ça, on va lui dire voilà, ok, dans le compte de stockage, tu veux aussi me pousser un petit fichier PS1, qui est le fichier qu'on a vu tout à l'heure, qui va configurer 2IS de manière déclarative, une fois que la VM sera créée. Et une fois que ce fichier-là sera poussé, on va aller appliquer ce fichier-là grâce à une extension DSC, qui n'est ni plus ni moins qu'il va installer PowerShell dessus, la version 5, pour pouvoir après aller appliquer sa configuration. Donc ici, on a le nom de la configuration, qui logiquement, si je n'ai pas trop merdé ma démo, doit être New Website. Et s'assurer que le deepen zone, dans le deepen zone que ce soit bien fait. Voilà. Alors vu que Microsoft est petit malin et que moi je n'ai pas voulu me faire chier à mettre une PKI sur mon infra de lab, je lui ai dit bon bah tu acceptes les mots de passe en clair dans mes fichiers MOF. En fait les fichiers MOF on va voir tout à l'heure. Tout ça va permettre de compiler un fichier et qui va être parsé après par l'agent local sur les machines. Pour le compiler, rien de bien compliqué. Je lui dis, tu prends toute la conf là, et tu me crées un fichier MOF, alors je vais lui filer la constitution. Voilà, donc ça me crée un fichier MOF qui porte le nom du nœud que je vais donner. C'est comme ça qu'en fait le LCM, si vous avez plusieurs fichiers MOF, va pouvoir les parser un par un et choisir la cible en fait qui doit attaquer. Alors un fichier MOF, c'est quoi? C'est tout moche, c'est tout pas beau, c'est pas très compréhensible, mais il n'y a pas d'informations sympathiques dedans. Voilà, ouais, on retrouve les informations qui sont passées dans la configuration.
Mais d'une manière, on va dire, bah, fichier bof, hein. Je sais pas si on a déjà utilisé ce format de fichier. Nous, ça fait un an qu'on gueule pour avoir du YAML, qui est quand même beaucoup plus lisible. Mais là, c'est, vu que c'est des classes WMI qui vont parser le fichier, ça c'est un fichier de configuration de WMI, en fait, tout simplement. Et l'idéal, ça serait quand même d'aller exécuter tout ce petit monde. Et normalement, à la fin de tout ça. À la fin de tout ça, je dois pouvoir exécuter ma configuration en fait en faisant un start DSC configuration, en lui donnant le target. Wait, c'est pour qu'il ne crée pas un job, sinon il va créer un job, il va mettre en tâche de fond et je ne vais pas pouvoir surveiller facilement ce qu'il fait. Force, c'est pour voir s'il y a déjà une configuration qui a été appliquée, il va aller réappliquer par-dessus. Verbo, c'est juste pour voir ce qui se passe. Donc là, si je fais ça, puis je fais F8, il va aller m'appliquer la configuration. Alors ce qui est sympa en mode verbeux, c'est qu'on va voir le fonctionnement typique de DSC, c'est-à-dire qu'il va faire, il va d'abord lancer la commande, après il va tester, voir si la ressource existe bien, et après il va l'appliquer si elle n'existe pas, si elle existe, il va juste passer. Voilà. Donc je ne vais pas vous faire la lecture de tout ce qui se passe là-dessus, je vous propose de juste voir comment on applique une configuration DSC sur Linux. Juste pour se la péter un peu d'Arc et Microsoft, pour une fois, fait des trucs pas trop mal et cohérents. Si je fais ça, 4 tiers, c'est pénible. Voilà. Pour faire une configuration Linux, on va déjà voir comment ça se passe. On voit que c'est exactement le même format. On crée notre configuration, on apporte nos ressources nécessaires, on définit un nœud. Voilà. Et là, je vais juste aller lui créer un fichier en fait dans le home qui va s'appeler DSCTest. Pas se faire un truc trop compliqué, mais on peut imaginer que vu qu'on peut créer des fichiers, démarrer des services, etc., on peut faire un truc assez sympa, vu que le gros avantage pour moi le Linux qui ne fait que du Windows, c'est que tout est en mode fichier, que c'est assez facile à les configurer. Donc encore une fois, je vais juste aller créer un fichier MOF, normalement, voilà, qui encore une fois porte le nom de la machine, l'adresse IP de la machine en l'occurrence. Et là où c'est intéressant, c'est que je vais pouvoir me connecter en PowerShell. Alors j'ai mis root, c'est parce que je suis une grosse feignasse, mais j'aurais très bien pu démarrer mon service OMI qui tourne dessus avec un autre utilisateur, et ça aurait aussi bien marché. Donc là, normalement, je suis connecté à ma machine Linux. Juste vérifier, donc je suis bien sur une machine Microsoft mais qui est un Linux à 64 bits, donc c'est une OS, il me semble, que déployer. Je vais voir que j'ai une configuration de mon agent qui tourne dessus aussi. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de paramètres définis par défaut, mais on voit que par défaut un DSC est toujours en mode push. Si on veut le passer en mode pool et que ce soit le nœud qui aille chercher sa configuration, il va lui falloir passer quelques paramètres dans un htable. Si ça vous intéresse, vous pourrez le faire chez vous. Là, j'ai pas prévu de le faire. Et on va aller lui appliquer sa configuration comme on a fait tout à l'heure pour le Windows. Sauf que là, au lieu de passer par une session PowerShell, on va passer par une session SIM qui n'est ni plus ni moins qu'une session qui utilise des classes WMI. Et voilà. Donc là, il a appliqué mon job. J'ai pas de mode verbeux là-dessus. C'est pas aussi interactif que ça pourrait l'être avec un Windows. Mais si je veux voir mon petit serveur Linux, on voit qu'il y a mon fichier qui est ici. J'avais déjà testé avant, j'ai pas changé le nom, mais je peux le faire tout de suite. Ça ne va pas prendre trop de temps. Si par exemple, là, si je fais ça, que je fais. Ça va générer un fichier MOF et si je l'applique, il va me changer le contenu du fichier. Et normalement, voilà, on voit qu'il a créé un fichier à partir d'un Windows sur un serveur Linux. Ça peut toujours servir, généralement c'est l'inverse, on prend plutôt des serveurs de configuration management pour les gérer des Windows. Mais, je trouve que ça évolue. Donc pour
récupérer ma configuration, j'ai des commandes qui existent, elles marchent aussi bien sur Linux que sur Windows. Voilà, on voit que on voit le chemin de destination, on voit qu'il doit être présent, que le contenu c'est ça, j'ai mal écrit le récent d'ailleurs, on voit les champs, c'est pas mal, on voit les champs. On voit les droits, etc., etc., l'heure à laquelle ça a été créé, les consoles, et pas genre du tout. Et si, par exemple, on voulait juste valider notre configuration sur un truc global, on a juste à lancer cette commande-là, et ça va nous renvoyer un booléen. Voilà, true, ça veut dire que la configuration est appliquée, faute, bah, elle n'est pas appliquée. Donc là, si j'ai assez meublé et que j'ai de la chance, ma configuration s'est appliquée. Et normalement, ça c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, ce qu'on peut aller faire maintenant, c'est. Voilà. Alors, la VM, c'était quoi? Ça, c'est une démo qui est bien préparée, j'ai pas renseigné mon paramètre. Ça, c'est mon manuel que je vais aller passer là-dedans. Et normalement, si tout se passe bien, là, je vais aller récupérer les informations de ma VM. Voilà, si je vais voir ça. On a bien mon adresse IP, on est dans les démarrer, taille médium. Ça, c'est son DNS externe, son relais de la TP en HTTP. Ça, c'est son service. Donc, voilà, on a tout un tas d'informations. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on a, on peut aussi la piper et dans un autre commandlet qui va vous donner normalement. Surprise, est-ce que ça a marché? Est-ce que c'est fini? Ouais, ça marche pas. Ok. Pourquoi ça marche pas? C'est l'effet démo sûrement, mais. J'ai pas ma barre sur le côté, là c'est pénible. Et pourquoi ça marche pas? Un bon effet démo, voilà. Du coup, les tests unitaires que je voulais lancer derrière n'ont pas marché non plus, forcément. On va aller passer par l'interface graphique. On va aller voir ce qui s'est passé. S'il a chargé mon agent, au moins, ça serait pas mal. Faut savoir que ça, le DSC sur Azure, c'est un peu touchy encore. C'est pas en preview, c'est en prod, mais voilà, ça évolue tellement souvent les agents, les extensions DSC qu'ils produisent, que des fois, on a une petite surprise. Donc, vous avez. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Azure, qui pratiquent un peu ici. Donc ça, c'est l'ancienne extension qu'on aimait bien et qui vont nous changer. Donc là, je vais aller voir la VM. Et ici, je vais avoir des informations sur les extensions. Et là, il me dit aucune extension de machine virtuelle est installée. Alors soit ça veut dire qu'il n'a pas fini de booter, ou soit que j'ai tout foiré et que du coup, il installe aucune extension. Parce que normalement, il y a une extension BG Info qui s'installe par défaut et qui là n'est même pas de présence. Et il me reste une minute, donc j'ai pas eu le temps de faire du test unitaire. Si vous avez des questions, je suis preneur, j'essaierai d'y répondre. Oui. Par rapport au DSC Linux, c'est un peu des fichiers, j'imagine que tout ce qui est configuration d'apt-get ou autre. Oui, tu peux installer des packages aussi, etc. Alors ça marche pour you mais apt-get. Pour l'instant, il est prévu de faire évoluer ça, mais pour l'instant il se focalise sur ces deux packages managers là. Tu peux passer des scripts Python aussi si tu veux, si ça fait bien. Question piège, et du Chocolatey avec DSC Ouais, tu peux. Il y a un provider OneGet qui existe et du coup tu peux installer des applications Chocolatey avec DSC. Je peux peut-être te montrer ça. Si je fais un. DSC. Alors. Release Management, là, tu vois ça? Ouais. Ça, c'est du OneGet derrière, et du coup, tu vas télécharger tes releases en fait, que tu as publiées sur un serveur Nuget ou Chocolaté. Ou autre, tu peux aussi avoir ta propre galerie, toi. Voilà. J'espère que ça vous a donné envie, ou au moins que ça vous a rendu curieux par rapport à DSC. Ouais. Tu peux t'interfacer en privé avec le Digital Center?
Ouais, t'as un module qui existe au System Center pour faire tes remontées d'informations. Par contre, ça va pas appliquer tes confs System Center. C'est plutôt pour du monitoring. Quoi. Et du coup, t'es obligé d'être sur Azure pour utiliser ça ou... Non, il faut juste un serveur Windows avec la version 4 minimum de PowerShell. Par contre, sur Linux, ça marche avec un serveur en 5, en PowerShell 5. Sinon, t'as des gros problèmes de compatibilité avec l'agent qui doit tourner sur Linux. Alors, l'agent qui tourne sur Linux, c'est en open source. Hein. Je vous ai passé les étapes d'installation et de compilation, mais il y a des docs qui sont faites et qui marchent très bien. Parce que même moi qui fais pas beaucoup Linux, j'ai réussi à l'installer assez facilement. Dans les connecteurs IAS, donc t'as Azure forcément. Ouais. Dans Azure, t'as Amazon. Alors, AWS, il est en construction. Google, c'est mort, il n'y aura jamais. Enfin, ça, c'est pas Microsoft qui va le faire en tout cas. Si tu veux le faire, c'est possible, hein, c'est open source, donc après c'est juste qu'il faut que tu provides un jeu de test qui doit passer par AdWire avant d'être publié sur GitHub. Sinon, bah, tu peux faire de l'hyper-V forcément, quoi, mais en cloud public, c'est tout ce qu'il y a pour l'instant. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de Digital Ocean ou de VH par exemple qui existe. Quoi. Après, il y a un truc qui s'appelle Azure Pack, je ne sais pas si ça vous parle. Ça installe un tout à fait framework Azure en fait sur un data center. Et il y a tout un truc je sais pas si vous voulez ça, qui permet de configurer un cloud privé à la sauce Azure en fait. Et une dernière pour moi, ouais. Tout un versionning des modules que tu peux utiliser. L'équivalent d'un package.json qui puisse tirer tous les modules dont tu as besoin. Dans une version figée ou dans... Non, tu peux télécharger que la dernière version des modules. Ça, c'est juste à titre informatif, en fait. D'accord. Il est question que ça évolue. On parle de PowerShell 5 qui n'est pas encore sur de la production, là, donc il y a des trucs qui évoluent, mais a priori, ça restera sur de la version unique, la last test, toujours en téléchargement. Par contre, si toi, tu as une version plus ancienne, tu télécharges un nouveau module, ça va mettre à jour de manière automatique ton module.